Merci. Voilà, et bien. Oui, bien. Alors, coucou tout le monde. Aujourd'hui, une petite vidéo qui est la Woofbox du mois de novembre. Donc, j'ai vu vous la présenter. Donc, comme d'habitude, rien n'a changé. C'est toujours dans une petite boîte bleue avec des petits chiens et des petits chats imprimés dessus. Et dans la box, il y a toujours donc les jouets présentés comme ça, avec le petit Woof Mag. Alors, je voulais faire une petite parenthèse sur le petit Woof Mag. Woof Mag. Woofbox. Oh là là. Si vous me regardez, j'ai vu que sur votre Woof Mag, vous avez retiré le menu des produits, en fait, comme il y avait sur les autres box. Vous avez retiré le menu où il y avait les petites présentations et tout ça. Et je trouve ça dommage parce que du coup, il n'y a pas de présentation, en fait. Il n'y a plus la petite phrase rigolote que vous marquez à chaque fois sur chaque produit. Il n'y a qu'un espèce de gros menu comme ça avec plein de phrases qu'on ne sait pas trop quoi lire. donc je trouve ça vachement dommage d'avoir retiré le petit menu qu'il y avait derrière. Parce que du coup, il n'y a plus de phrases qui résument le produit. C'est juste un gros résumé comme ça. Et en vidéo, c'est très 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 compliqué de lire tout ça. C'est même impossible, sinon ça durerait trop longtemps. Donc Woofbox, s'il vous plaît, si vous pouvez remettre le petit menu à la place des chiens en photo, ce serait bien de remettre le petit menu. Voilà, merci. Bon, bref, alors, du coup, je voulais présenter comme ça sans vous décrire la phrase qu'il y a pour présenter le produit, parce que tout simplement, bah, il n'y en a pas. Voilà. Alors, en premier, donc, on avait des friandises donc, de la marque Pedigree. Donc, ce sont des petites friandises récompenses, je pense que vous le voyez. Donc, ce sont des petites friandises toutes rondes. Voilà, des toutes petites friandises, elles ne sont pas bien épaisses. Je vais vous montrer ça. Donc ce sont des toutes petites friandises comme ça, en fait c'est des toutes petites récompenses, des tout petits trucs tout rikiki comme ça, mais vraiment rikiki, hein. Là on peut pas faire plus rikiki. Si un grain de riz, mon chien, c'est un grain de riz. Oh, par contre ça sent pas très bon, hein. Ça sent un peu le bouillon de bœuf là, ça sent pas très bon. Donc voilà, ce sont des petites récompenses sous forme de friandises. J'en donne pas à Ilou parce que je ne donne pas de la marque Pedigree à Ilou. Non, Ilou. Non, mon chien. T'en auras pas. Je ne donne pas de Pedigree à mon chien. Mais je le donnerai au chien de mon père qui en mange, lui. Donc voilà. Ensuite, alors ça, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Non, Ilou. Non. Énormément aimé, c'est des filets de saumon. Et ça, je trouve ça vraiment superbe parce que moi, je donne en friandise que du poulet séché, enfin du poulet déshydraté à Ilou. Et ça, c'est vraiment chouette d'en avoir. Donc voilà, là, je vais lui en donner. Donc en fait, c'est des lamelles, pardon, je parle trop vite aujourd'hui, des lamelles de saumon déshydraté. On va voir si tu aimes. Et mon bébé. Oula, oh là là, oh là là. Oh, ça sent le surimi. Ça sent le surimi. Ah, c'est pas du saumon, c'est du crabe. Ah, ça pue le surimi. Ah non, ça pue pas le surimi, ça pue le thon. Mais en fait, c'est du saumon, donc on va comprendre quelque chose, toi. Donc voilà, ce sont des grosses lamelles comme ça. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, de saumon. Eh, tu baves. Ah non, mais tu baves, Ilou. Ah, mais c'est dégueulasse. Ah, c'est carrément deg. Ah, Ilou, tu baves. Ah non, mais au secours, quoi. Attends, mais comment ça se casse? Mais je vais pas te donner ça entier. Bon bah tiens. Bon bah voilà, elle est en train de manger le filet de saumon. Donc ça c'est vraiment bien Woofbox, c'est vraiment de super friandises, les trucs, les viandes séchées, j'adore ça. Enfin j'adore ça. J'adore en donner à Ilou parce que voilà, c'est très bon comme friandise. Donc voilà, donc ça c'est un très bon produit que je vais garder. Ensuite, pour rester dans les friandises, donc on a eu un espèce de petit bâtonnet comme ça. Oui, Ilou. De petits bâtonnets comme ça. Donc en fait, c'est un bâtonnet qui sert à aider. En fait, c'est un bâtonnet de friandises qui sert à donner des médicaments. Donc si votre chien prend des médicaments et que vous avez énormément de mal à lui donner, bah, y a ce système de friandises. Donc en fait, c'est une friandise. Et à l'intérieur, c'est un peu creux. Et donc vous mettez le médicament dans la friandise et normalement, le chien doit le manger. Donc voilà, donc moi je ne l'utiliserai pas pour Ilou parce que déjà elle prend pas de médicaments.
et que si elle a des médicaments, elle le prend très très facilement, donc sans friandise, sans rien du tout. Donc voilà, c'est une petite friandise comme ça en bâton. Je veux pas l'ouvrir parce que je veux le garder pour mon papa, pour son chien. Mais voilà, donc c'est une petite friandise en bâton. Donc c'est une très bonne idée parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont du mal à donner les médicaments à leur chien. Donc voilà, c'est plutôt une bonne idée. Ensuite, donc là, ça a été un très beau jouet. Non, Iloumé, ça va pas. Maman, t'as pas dit oui. J'ai pas dit oui. Donc tu attends. C'est une très belle peluche. Non ! Une très belle peluche qui fait pouic-pouic. Elle est vraiment adorable. Enfin, j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, il y a la grosse étiquette là que je vais essayer d'enlever pour que vous puissiez mieux voir. Mais... Oh la vache. Donc voilà, c'est un très beau chien en fait, ça doit être un teckel, c'est un teckel. Voilà, qui est très très joli, il est tout vert. Et là, c'est une espèce de matière un peu très très douce qui est ici. Et il est très très beau, je l'ai vraiment trouvé très très joli. Et il fait pouic pouic. Tiens. Pauvre chien. Ilou, elle va être inondée de pouic pouic et de jouets en tout genre. Parce qu'avec toutes les box que je reçois tous les mois, je suis inondée de jouets. On dirait qu'on a un enfant de 3 ans dans la maison. Il y a plein de jouets partout. Ensuite, donc, on a eu un autre produit. Donc, c'est un produit, donc c'est un shampoing. Non, mais Ilou, si tu fais pouic pouic pendant ma vidéo, ça va pas le faire là, mon bébé. Bébé ? Bébé chien ! Bébé chien ! Bébé chien ! Bébé ! Tu fais. Donc désolé si vous entendez pouic pouic, c'est Ilou derrière qui s'amuse avec le chien. Donc c'est un shampoing qu'on a eu et c'est un shampoing qui sent hyper bon la fraise. Mais je vous jure que quand ça... le niveau d'odeur, c'était à la limite du supportable et de l'insupportable. L'odeur est extrêmement forte et ça sent horriblement la fraise. Donc ça sent bon, mais en même temps l'odeur est très forte, donc faut aimer. Donc apparemment la notice est marquée « Appliquez généreusement pour bien mousser le poil, massez longuement afin de libérer saleté et odeur avant de bien... » Ilou ! Avant de bien sécher avec une serviette, le poil est maintenant propre et sans odeur, pas d'eau nécessaire. Donc en fait c'est un shampoing sans eau en fait, ouais, sans avoir besoin d'eau. Donc on applique le produit sur le chien, on fait mousser et on ne rince pas ou on sèche directement le chien avec la serviette. Je sais pas si je vais l'utiliser parce que Ilou, comme tous les dalmatiens, a une peau assez sensible. Et si je mets un produit qui lui convient pas, bah tout de suite il y a un problème. Donc voilà, je sais pas si je vais l'utiliser, peut-être sur une petite partie de son corps pour voir si elle fait une réaction allergique ou pas. Mais ouais, sinon je pense pas que ce soit un produit que je vais utiliser très régulièrement. De toute façon je shampooine très rarement Ilou, donc voilà. Et ensuite, donc le dernier produit, alors ça j'ai pas trop su ce que c'était, enfin je sais ce que c'est, mais j'ai du mal à comprendre pourquoi c'est hyper dur à l'intérieur. En fait c'est un cochon, un petit cochon, voilà, il est trop mignon, il a une belle bouille. Ah oui. Donc il a une trop belle bouille, mais par contre je sais pas, il est tout dur à l'intérieur, c'est tout dur. Donc je sais pas si... Non, ça doit être un cochon qui rebondit. Donc voilà, à mon avis, c'est une balle cochon. Voilà, une balle cochon. assez mignonne, donc voilà. Bah, c'est plutôt sympa comme petit cadeau. Tiens. Donc voilà, il n'y a plus rien dans la box. Donc j'espère que cette petite vidéo de la présentation de la box du mois de novembre vous aura plu. Je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Gros bisous.